Lui, c'est un artiste avec une particularité. Il n'utilise que 4 couleurs pour réaliser ses tableaux. Rouge, bleu, jaune et vert. Issu d'une famille modeste, habitant Petit Raffré, Nichal Peubou a à son actif plus d'une dizaine d'expositions organisées à Maurice, Rodrigue ainsi qu'en Europe. Comment commencer? Je commence pareil, parce que tout le monde, collège, on apprend. On apprend avec plusieurs professeurs. Chaque année, je montre mon stencile. Monsieur Choytou, il est allé, la femme, on apprend avec M. Garouane. C'est peut-être un peu M. Garouane qui m'a inspiré pour ma première exposition. J'avais pas de faire, garder, je vais faire une petite exposition. Après, il y a un groupe d'artistes, un petit groupe d'élèves. C'était ma première exposition. D'ailleurs, à l'époque-là, moi, j'étais au Fashion Design Institute, je fais un cours côté design, mais seulement, moi, je peux exposer côté art. Ça me permet, moi, d'aller plus dans le filière et moi, de continuer, de ne pas arrêter. Bien sûr, au commencement, c'était une petite phase d'apprentissage. Après, moi, je commence à développer mon propre style. Moi, je fais mon cours, l'université, diplôme, degré, master, PGC. Depuis ça, c'était tout le temps une évolution. Jusqu'à ce qu'on arrive à une technique propre à moi. Quand je mélange tout bon skill que je gagne, ce que je apprends au fur et à mesure. Mais c'est moi qui essaie de créer un original. Bon, bien sûr, il y a une inspiration de pop art au commencement. Et comme Andy Warhol, tu peux faire un carré, mais sauf que moi, je fais le rouge, le jaune, vert. Et une fit pour mon style, composition, ce que je travaille. Le premier award que je gagne, c'est s'appelle l'Oscar de la jeunesse à l'époque. C'était un Oscar de toute bonne activité artistique que je fais. Parce que je peux aider dans Youth and Sport, je peux faire un wall painting, un événement, organiser une compétition. Je fais une association, Creative Feeling, d'ailleurs, jusqu'à l'heure, il y a encore existé. Le jeune artiste peintre véhicule des messages à travers ses œuvres. Il veut partager son amour pour son pays. Le parcours du jeune homme inspire de nombreux jeunes. La clé du succès, dit-il, c'est la persévérance. Tout bon artiste, normalement, travaille sur un canevas blanc. Moi, je commence par un background, soit rouge, bleu, jaune, vert. Là, c'est une dernière tendance depuis que je me retenais depuis la longue. C'est mon peintre, mon canevas net entier en jaune. Après, je prime mon feuille là. Les lames fan rouge, bleu, jaune, vert, là, quand tu es allé. Après, à partir de là, c'est-à-dire que tout le monde a un canevas blanc. Moi, c'est mon canevas qui me peut assister pour le commencer à travailler. Le projet, là, pour cette année-ci, déjà, je finis par participer à 2-3 expositions. Là, mon camarade Vic Chibdeal peut organiser une exposition encore pour participer. Je fais Art Festival. Là, cette année-ci, je vais faire une deuxième version. Et pendant ce Art Festival-là, et nous pouvons aussi faire un mobile art exhibition qui, bon, on fait escalier, on fait deux, mais c'est intéressant. On prend un gros camion, le tout, tout mon camarade aussi est venu. On apprend dans ce tableau, ou bien on print ce tableau, on affiche-les, nous rouler deux, trois villages jusqu'à nous terminer une place. Nichal Peubou, enseignant dans son domaine de prédilection, est aussi engagé dans le social. Il souhaite partager son savoir-faire avec les jeunes qui s'y intéressent. L'idée de commencement, c'était de faire du monde dans la galerie, à nous prendre un tableau-là, nous faire Get Lit Live. Et ce qui est intéressant, quand ça même tableau-là, on accroche dans un gros camion container, il peut aller comme ça, ou que du monde peut sortir dans la case. Une fraction de seconde, allons-nous. Donc, moi, j'ai le tout roulé, je ne parle pas trop vite ici. Mais c'est moi qui crée un wow factor du monde sorti. Et peut-être, c'est un petit peu ce qui me fait envie de faire, c'est trigger interest.